tous, j'espère que vous allez bien. Merci de nous retrouver pour ce premier numéro de Africa Sound Show. Surtout restez connectés parce qu'on vous prépare du big balèze aujourd'hui. Des saveurs africaines, des news, du buzz et de la fun rub. Donc voilà, je ne suis pas seule, je suis avec la team SS. Bonjour, c'est Aïcha. Salut, c'est Romane, la fun rub. Puisque tout le monde est installé, cher Black SS, nous allons commencer avec les news. Jingle. Kedjevara Djigi, un artiste ivoirien de genre coupé décalé, désormais la bague au doigt. En effet, après avoir fait une demande spectaculaire à sa Justine au pied de la Tour Eiffel, Kedjevara concrétise les choses ce 6 juin 2019, quoique le couple avait déjà formé une petite famille. Ils font partie des couples les plus discrets du coupé décalé. Heureux ménage à l'artiste. Baby Philippe, de nationalité ivoirienne lui aussi, est un arrangeur, auteur, compositeur et artiste coupé décalé, qui après un bon moment de silence, refait surface. Baby Philippe tente de réunir ses confrères qui depuis un moment ne jurent que par des clashs et des médisances à faire la paix. Et pour cela, il a donc fait sortir un son qui combine tous les hits coupés décalés depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, afin de montrer que c'est ensemble qu'ils réussiront à hisser le coupé décalé encore plus loin. Nous disons merci à Baby Philippe pour ce geste honorable. L'artiste français de nationalité guinéenne Black M, arboré d'une nouvelle coupe de cheveux, nous fait découvrir son hit Bon, qui allie culture africaine et modernisme. Bon a fait un carton sur la toile. En effet, en seulement 4 jours, le clip a été visionné 1,5 million de fois. Comme quoi, notre Black M était attendu de tous. C'était les news, j'espère que vous avez pris note pour être au rendez-vous de ce que vous concordent vos stars. Nous allons passer à la causerie avec Aïcha Koulibaly. Alors, maintenant, on va causer. Comme son nom. Et on va aborder 3 sujets aujourd'hui. Le premier sujet, c'est le mariage civil de Kedjevara. Kedjevara n'est plus un carafon, il s'est marié. Alors, j'ai pris ça comme un coup de couteau dans le dos. Non, mais c'est... Tu le connais où? Kedjevara. Je l'aime bien. Ah non, mais il n'y a pas de problème, il sera fatigué. Mais t'inquiète pas, il sera fatigué. Mais tu sais, quand les artistes se marient là, bon, moi j'aime pas trop parce qu'ils se rongent, on les entend plus trop pas, on n'en peut pas trop parler d'eux. Ils deviennent un peu timides là, moi j'aime pas. Et puis quand il y a les sorties, ils sont tout avec leurs femmes. Donc je n'aime pas ça. Tu veux pas qu'ils aient une vie rangée? Non. En tout cas, moi je pense qu'on doit le féliciter, pour son union. En tout cas, bon ménage à lui. C'est pas tout le monde, surtout voilà. Quand on est artiste. C'est quand même rare. Voilà. Surtout qu'on est. Mais vous n'avez pas constaté que 2 jours là, tous les artistes se marient d'une. Je te dis, vous avez cassé le bal là, vous ne voulez pas nous appeler. Vous vous mariez. On est là. Sérieusement, Kedjevara, moi je te dis félicitations. Vraiment, je te souhaite que du bonheur. Elle a le cœur brisé. Plein. Non, je rigolais. Plein de bonnes choses. On avait vu la vidéo. Ok. Bon, après, le deuxième sujet. Attends que je me place bien. Non, mais c'est chaud. Le deuxième sujet, c'est Baby Philippe qui est devenu le défenseur. Il joue maintenant le rôle d'un moralisateur, si je peux dire ça. Baby Philippe avait sorti tout dernièrement un son dans lequel il dénonce, si on veut dire, ou il exhorte ses confrères du coupé décalé. Ses confrères du coupé décalé à changer de comportement. Voilà, on a remarqué que maintenant, quand un artiste veut faire sortir un son, il est obligé de faire un clash. En tout cas, voilà. Il est obligé de faire un clash avec tout le monde pour pouvoir faire parler de lui, pour pouvoir promouvoir. C'est une nouvelle stratégie marketing que moi je déplore.
Totalement, voilà. Et oui, et puis Baby ça crée du bruit dans le coupé des palais qui était déjà du bruit. Voilà. C'est sérieux même, parce que voilà, je me dis qu'un artiste n'a pas besoin de ça pour pouvoir promouvoir son truc. Donc moi je pense que sincèrement, Baby Philippe a pris, il a pris conscience. Voilà, c'est une bonne initiative, il parle un peu, j'espère en tout cas que ses confrères vont écouter le message et qu'ils vont vraiment... Le problème c'est qu'ils n'écoutent jamais vraiment. Mais moi je pense que, parce que moi j'ai écouté sa musique, il a un peu rassemblé si on veut dire, parce qu'il a mis un peu de refrain de chacun, oui. Fatigué, Jonathan et Bobaraba, bon je sais pas si avec vous, en tout cas il a mis pour tout le monde dedans, d'une manière de vous dire que, c'était une manière de dire que il veut, le groupe décalé c'est une famille, vous n'avez pas besoin de clash pour vous faire connaître. Si même vous êtes unis, on vous connaît déjà. Ah, voilà. Si vous êtes unis là, ça fait quoi? Vous allez mieux avancer, vous allez mieux faire les choses. Vous allez tuer. Ok. Les clashs, on est fatigué de ça. Et puis c'est dépassé. Cherchez autre chose. Voilà. Ou bien. C'est dépassé. En tout cas, sérieusement, le jeu décalé, c'est vraiment un mouvement qui a fait de la joie. Ouais, ça c'est vrai. C'est vraiment s'il y a un peu d'union, les artistes sont, ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est parce qu'on veut qu'il y ait des conflits aussi. Faut pas que ce soit tout en rose, mais on veut s'affairer sur vous. Voilà, pas trop. Il faut pas qu'il exagère. Il faut que ce soit dans, je sais pas, dans du sentiment. Un peu de l'amour, dans la douceur. C'est ça. Mais aussi là, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Bon, c'est pas grave. Les filles, pardon. Le troisième sujet, les amis. Black, le Guinée avec de jolis yeux là. Oh là là là. Guinée mignon là. Ça me fait coiffer. Non. Mais ça coiffe des à la maternelle là. Black, quoi? La coiffe le petit bord, ma chérie. Pardon. Vous lui avez raison à autre chose. Moi, j'ai pas cru. Il est trop sexy là. Je suis jaloux. Pardon. Non. La forme de sa tête ne va pas avec toi. Non. Moi, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Non, mais c'est bien. Regarde, c'est parce que c'est Black. Non. Il prend une crotte, il met sa tête. Moi, dis. Waouh, quel beau chapeau. C'est Black M. C'est beau, c'est trop joli avec lui. Il est sexy comme ça avec moi. Voilà, il est fanatique pour Black M. Black M, comme je disais, Black M a fait sortir un nouveau son. Qui a fait 1,5 million de vues en 4 jours. En 4 jours. Mais je vous dis, le clip, il est 2, 3, 4. Excusez-moi du terme, le clip. Chez nous, utiliser le mot gouvernement, ça veut dire statue. Ça fait. Ça, c'est chez les Ivoiriens. Chez les Français. Oh, mais là, c'est du loup, c'est du balèze. Le clip. Je regarde le clip. Je me sens. Oh, mais Black M, tu m'as donné des palpitations comme ça. Voilà, donc je pense que c'est ce que les 1,5 million de personnes ont vu. Et puis voilà, ils ont été vraiment attirés. Tout le monde a regardé le clip. Félicitations à toi. Ça a été vraiment. En tout cas, il a représenté l'Afrique. Parce que moi, je me suis reconnue dedans. Les reines africaines, bon, la reine africaine de la danse, des guerriers torse-nus avec des tablettes, des muscles. Là, 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 là. Black M, les coiffures, en tout cas vraiment, les dreads surtout, vraiment. Le titre du son, c'est bon. C'est bon? Bon. Mais attends, ma chérie, attends. C'est à moi de parler. Mais c'est depuis la séparation. On parle à la sérieusement, moi j'adore quand les artistes font ça, ils valorisent la fille. Maintenant là, je remarque dans les clips, ça fait plus africain souvent, mais ils font ça dans la terre rouge, il n'y a pas vraiment de décor, c'est la nature, c'est l'Afrique. Merci de promouvoir notre Afrique, merci de valoriser votre culture. Il est temps pour nous de sortir. Nous les Africains, on est très très fiers quand on voit ça et vraiment tout le monde kiffe, donc voilà. C'est un plus pour nous. Voilà, merci. Et puis ça fait que même les Africains maintenant, ils arrivent à s'assumer en tant qu'Africains. On voit que maintenant tout le monde fait le style africain. Avant qu'avant, c'était pas trop répondu parce que les gens avaient un peu honte. Mais ils ont cassé cette barrière là en fait. Donc voilà, je vous passe le merci général. Je représente la Côte d'Ivoire là. Et je vous dis tout le monde. Tout le
moins fort. Elle est trop fanatique de son pays. Voilà, non, mais sérieux, la Côte d'Ivoire, c'est le plus beau pays. Et il ne faut pas rendre les... Elle n'a pas dit ça, mais... Excusez-moi. Elle n'est pas jaloux, elle plaisante. Excusez-moi, mais... Tous les pays d'Afrique sont beaux. Sont beaux, mais... Non, la province. Voilà. On ne monte pas son village avec un homme gauche. Vous voulez quoi? C'est ça aussi, excusez-nous. C'est pas de notre faute d'être ivoirienne. C'était les sujets. J'espère que vous avez aimé et que vous ne nous avez pas trouvé trop ennui. Regardez, ne critiquez pas sur Facebook. Soyez douchés. Okay. Bon, c'était tout pour moi. Bisous, bisous. Voilà, donc c'était Aïcha, c'était la causerie avec Aïcha Koulibaly. J'espère que vous avez aimé. Laissez en commentaire vos avis sur les différents sujets du buzz. N'oubliez pas d'aimer la page. Nous allons boucler la causette avec l'extrait de Black M Bon pour vous mettre au parfum de ce qu'on vient de dire. Voilà. Vous savez très bien qui je suis. Je suis pas ce petit rappeur qui stream. Ça fait des années qu'on me plébiscite. Bien vu le roro, je te félicite. Je viens de la Guinée, la famille. Konakiri, la Begeng, la famille. Je ne suis pas là pour gratter des amis. Pas de Lamborghini, vroom vroom, à Miami. Ah, ils ont oublié. Je suis obligé de revenir et tout plier. On n'arrête pas les balles avec un bouclier. MC, te mets pas dans un bourbier. On se fout que t'es pas content. T'as qu'à te contenter de tous ces incompétents qui parlent du milli, mais ça pas compté. Et leurs concerts ne sont même pas complets. Nous allons terminer cette émission avec la partie la plus récréative, la fun rub avec Emile Confi. Aujourd'hui dans la fun rub, je vous ai préparé deux jeux. Voilà, le premier jeu, c'est l'alphabet. Non. Le premier jeu, c'est pas l'alphabet du tout. Ça, c'est le deuxième jeu. Le premier jeu, c'est qui est l'artiste. Voilà, je vous explique. Je mets des sons et on va deviner ensemble qui est l'artiste. Voilà, avec ces deux go-là. Maintenant, le deuxième jeu, c'est l'alphabet. Par exemple, avec les lettres de l'alphabet, on va chanter des refrains de chansons qu'on connaît. Ou, voilà, ce que vous voulez. Voilà, ça sera tout. Mon playlist, la playlist de Amy, ta playlist de Amy. Bon, moi, j'ai 22 ans, je pense que c'est pas. Ok, ma playlist. Pick up, la playlist. La playlist. La playlist. Playlist de Amy. Elle va nous donner les vrais sons. Attends, soyons pour chanter ça. C'est ivoirien. Ça me fait penser à Hello. Blacka. Blacka de Steve Nubi. Attends, il a pas. Mais elle n'avait pas encore fini de dire pour elle. Quand j'ai dit la réponse. Non, mais elle n'a pas parlé. Non, mais il réfléchissait. Steve Nubi est venu dans ma tête. Mais voici le son. C'est quoi le titre du son alors? C'est Section 1 de Steve Nubi. C'est un ancien son. Ils ont fait ça en quelle année? En 2013, je pense. Voilà. Et donc, aussi, vous pouvez laisser vos avis. Mais si vous avez reconnu l'artiste aussi, vous pouvez nous laisser. Si elle s'est trompée, si la date, vous pouvez nous laisser les informations en commentaire. Hein? Merci. Je peux pas mettre de nouveaux sons pour vous. Vous allez savoir tout de suite. C'est vrai. Bon, d'accord. Le deuxième. Ça, c'est à laisse-nous le temps. Oh, il a déjà dit. Ah. Non, mais attends. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il correspond à quoi ça? Mais attends, pourquoi tu n'es pas du rap, c'est moi? Y'a pas de chance. Elle aime les dagu. Non, ça, c'est moi, c'est toi qui dois tout. C'est elle, Aïcha, qui doit tout. Whiskey, featuring. Ah, il dit Aïcha. Oh, vous faites ça. Laisse-moi. Whiskey, featuring Olamide. C'est ça. Oui. Muchibana. Ah, c'est ça. Non, c'est pas ça. Kana, c'est Kana. C'est Kana. On voit comment? International, Panama. Ouh, Chapou, Chapou. Bon, j'espère que vous allez. Bon, Amy, vous parlez, je ne pas. Voilà, c'était tout. Mais le deuxième jour. Le deuxième jour. Mais laissez vous venez parler. C'était tout pour le premier jeu. On passe au deuxième jeu, l'alphabet. Voilà, je vous explique.
l'alphabet. Explique aux téléspectateurs. Ça commence, chérie. Oh, mais ils vont comprendre. Je ne sais pas. L'alphabet, là. Vous allez réciter les lettres, là. En chantant. Allez, non, pas comme ça. Comme par exemple, la lettre A. Vous voyez, c'est la lettre A. Vous prenez une chanson qui commence par A. Une parole de musique qui commence par A. A, B, C, D, E, F, tout ça. Mais toi-même, tu ne sais pas aussi. Là. Non. Pourquoi? Moi, je parle d'accord. Parce que c'est ma rubrique, c'est moi qui décide. C'est sa rubrique, elle doit parler. C'est moi qui décide, je suis désolée. Et puis, de toute façon, mais si elle parlait pour nous. Donc, A. Je sais n'importe quoi. Franchement. Bon, moi. Ah, là, je sais pas c'est quoi, mais c'est une chanson. Mais non, c'est une chanson. Attends. Bonjour. Bon, moi, je vais chanter du Michael Jackson. Ah, ah. Tiri. Ah, ah. Bon, le reste, c'est fumé. Ça commence à A. B. M'intéresse, oui, mon frère, du lyrique, hein? Bien abonné, vous voyez, c'est que c'est compliqué. Tout le monde déjà mis place, ça les comprend. C'est pas compté, vous allez réfléchir. Bon, toi, vous chantez, nous on connaît pas. Seigneur, Seigneur, je peux commencer avec une lettre, la lettre J. Oui, elle va tout dire. Jolie Aminae. Est-ce qu'Acha peut nous donner le titre de la chanson? Ariel Chené, Amina. Big up à Ariel Chené. Je te fais un kiku. Tu as des fanatiques ici. Hein. Vous en êtes disponible pour le point d'écu. Non, Ariel Chené, c'est pas bon, mais elle est célèbre. Ah non, on est disponible, là. Pas de soucis. Non, 0-2. Voilà. Donc, bon, voilà, c'était la fun rub avec Yo-Yo Emily. Yo-Yo Roman, Emily Kofi. La fun. La fin avec Emily. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez en commentaire ce que vous a plu ou pas, les critiques, vos avis, nanana. Même si vous n'avez pas aimé, là, mettez un j'aime. Non. N'oubliez pas aussi. Attendez, ne cliquez pas aussi, s'il vous plaît. Chers abonnés, chers vous qui voyez la vidéo, c'est notre première vidéo, donc soyez vigilants et puis aimez notre page pour pouvoir nous regarder en plus les autres vidéos qu'on fera, parce qu'on en fera plein. Donc s'il vous plaît, regardez-nous avec amour, avec passion. C'est notre première fois. Voilà, on va s'amuser. Abonnez-vous, c'est grâce à vos critiques et commentaires qui ne sont pas méchants mais gentiment cœur. Voilà, on va pouvoir s'améliorer et puis faire ce que vous aimez, ce que vous voulez. Coupez. Voilà, assez-toi. Ce que vous voulez. Voilà, donc à samedi prochain pour un autre numéro de Africa Sound Show. Africa Sound Show, parce que la musique, c'est l'Afrique. Bye bye.